Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, mardi 4 décembre et petit rituel du matin, je vais ouvrir donc mes deux calendriers de l'Avent. Alors on commence par celui de Catherine. On cherche le numéro 4. Non. Alors... numéro 4, il est là. Hop. Alors, je remets les petits sachets à l'intérieur. Voilà, voilà. Et le numéro 4 donc se présente comme ceci, avec un petit timbre. Alors. On ouvre le sachet. Bon, encore une fois, désolée pour le bruit. Ah, alors, plus j'ai oublié de prendre mes ciseaux comme d'hab. Alors, attendez, on va faire autrement. Non, ça ne veut pas. Ah, cool! Alors, aujourd'hui, j'ai reçu des petits tags avec des un petit peu version vintage, avec de la ficelle ben, pour les attacher, avec des papillons. Alors, attendez, là, je vais vous montrer ça. On a des petits tags un petit peu cartonnés avec des papillons, en fait. Voilà, il y a plusieurs tags. Oh, merci beaucoup! Et là... ficelle donc pour les attacher. Oh merci Catherine. Moi qui raffole des papillons forcément. 15 numéro 4. Merci beaucoup. Ensuite, on passe au calendrier de Martine. Alors, j'ai pas regardé où était le numéro 4. Il y a 16 dans la boîte et un peu numéro 4. Voilà. Alors, case numéro 4 qui se présente donc comme ceci. On a une sublime découpe de traîneaux dans du papier holographique avec des petites étoiles. Et donc à l'intérieur, mon indice. La boîte s'est un peu pliée. Hop. Alors. Je vais prendre 20 kilos à la fin de ce calendrier. Alors, mes petits chocolats dans des sneakers aujourd'hui. Et mon indice. Ah bah dis donc, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider. Alors voilà mon indice. On a une petite étoile... Est-ce qu'il est en train de faire le zoom sur autre chose? Une petite étoile un petit peu pailletée, comme ça, blanche. Alors, j'ai sorti les cadeaux. Il y en a deux. Alors, il y en a deux qui se présentent comme ceci. Alors, aujourd'hui, j'ai une petite moufle. Ça fait du bruit. Alors, je ne sais pas. Ici, on dirait des espèces de petites boules. Alors, franchement, je sais pas du tout ce que ça peut être. Bon, là, ça fait comme des petites billes ou des petites boules. Je ne sais pas du tout. Et le deuxième... alors, je sais pas, peut-être que tu as mis des petites choses pailletées pour faire des embellissements. Je sais pas du tout. Je sèche. Ils sont durs tes indices, Martine. Alors ça m'intrigue beaucoup. Là, ces petites. Ça se trouve, c'est des petites cochonneries à manger. Je sais pas du tout. Voyons voir. Je suis sûre que je vais être complètement à côté de la plaque. Et en fait. Alors. Ah non! Ah, mais t'as pris la dose, là. Oh, vache, je connaissais pas du tout ce format-là. Alors, ce sont des demi-perles, donc ils mettent ça en déco. Alors là, c'est la première fois que je vois un sachet comme ça, en demi-perles. Donc, on a toutes les tailles, hein, des grosses, des petites, des moyennes, des minuscules. Donc, des demi-perles nacrées couleur crème, on va dire. Et
Mais alors ça, je ne connaissais pas du tout ce format de demi-perle. C'est pour ça que je sentais des boules. Oh, c'est super sympa ce... Alors là, bon, bah, je viens d'apprendre un truc, je ne savais pas que ça se vendait comme ça. Donc un gros sachet de demi-perles, alors ça c'est top. Puis il y a vraiment toutes les dimensions. Oh, elle est grosse là, regardez les grosses. Qui sont juste là. Oh, merci Martine. Et on en a un autre. Voilà, c'est une boîte rectangulaire. Je ne sais pas du tout. Alors, je vais ouvrir. Je suis en train de chercher vu qu'elle m'a mis une petite étoile. Alors, je ne sais pas. Alors, un album, non, qu'est-ce que c'est ? Elle est folle. 36 milliards de, de strass. Et puis alors là, j'ai toutes les couleurs possibles et imaginables. Alors, on a des strass rouges. On a des strass verts. Alors, peut-être que, du coup, je viens de comprendre son indice, comme les étoiles s'abrient et que ce sont des strass. On a des strass argentés. Des jaunes. Des roses. Ah, j'ai de quoi faire, hein. Des bleus. Ah, des violets. Encore des violets. Ah, on a des petits cadres. Ah, c'est sympa aussi le format, là. Ah, je suis désolée, ça fait du bruit parce qu'en fait, elle a dû enlever le tri et du coup, ça colle derrière. De nouveau, des strass violets, mais beaucoup plus petits. Non, je n'aime pas le violet. Je pense que Martine a dû le comprendre. On en a des ronds en violet. Hop. Et là, différentes tailles de rectangles en violet également. Ah bah dis donc, j'ai de quoi faire là. Je pense que je ne vais plus acheter de strass hein, pendant un bon moment. Ah, merci beaucoup. Alors, donc les strass et les demi-perles pour aujourd'hui. Voilà, comme ceci. Merci beaucoup, ma sourisette. Alors, aujourd'hui, donc Martine va recevoir dans son calendrier alors trois encres Distress Oxide. Donc, il y a la marron, Vintage Photo. Ensuite, il y a une violette, c'est Dusty Concorde. Et ensuite, il y a une rose, Spoon Sugar. Je vous mets la photo comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Merci, Catherine. Merci, ma sourisette. Plein de gros bisous à vous deux. Bisous à vous tous également. Et puis, on se retrouve demain pour la case numéro 5. Bisous, bisous. Ciao, ciao.